je suis critique d'art et commissaire d'exposition et je m'intéresse à l'art pour comprendre finalement l'époque dans laquelle nous vivons, la sensibilité qui se produit avec justement celle d'artistes qui sont souvent à l'avant-poste des mutations d'une époque. Il y a quelques années, j'ai fait une thèse autour du visage. Donc, en art, on a les fameux portraits. Mais il me semblait que grâce à cet objet, donc le visage, on entrait plus particulièrement dans la sensibilité d'une époque, dans la mesure où les gens se projetaient et se réfléchissaient au double sens de se réfléchir et de se réfléchir à travers donc, le visage. De là est apparu deux postulats assez simples et assez peu aussi entendus du grand public. Le premier affirmant que le visage est une invention récente dans l'histoire de l'humanité qui apparaît au milieu du 19e siècle, au moment où se met en place une société hautement appareillée. C'est le début de la révolution industrielle, de flux de capitaux, de flux de flux migratoires aussi, c'est l'exode rural, c'est la machine à vapeur, c'est le début de l'automobile, de l'électricité, des ascenseurs, donc des moyens de transport accélérant finalement les vitesses, et puis aussi de communication, c'est l'invention du téléphone, c'est l'invention petit à petit du phonographe, et finalement de la photographie, donc d'appareils d'enregistrement du son et des images de l'homme, qui finalement double et extériorise une partie de l'homme. Donc en fait, il faut prendre en considération que le paysan de base au 19e siècle n'avait pratiquement pas accès à son visage, car les miroirs existaient mais n'étaient pas encore commercialisés et apparaissent finalement, se commercialisent justement au milieu du 19e siècle. Il faut comprendre en fait que les portraits étaient en fait destinés à une certaine élite qui avait donc eux accès à la possibilité de se faire portraiturer et à des miroirs, tandis que le paysan de base, lui, ne se voyait que très rarement lorsqu'il allait chez le barbier ou ou la femme quand elle allait chez la modiste. Donc en fait, les hommes avaient une conscience très lacunaire de leur visage, sentiment qui est finalement encore assez partagé de toute personne qui serait née avant les années 90, parce que finalement, on a une connaissance de notre visage qui se rapporte à des photos de classe, des photos d'identité que l'on refait chaque année, photos d'anniversaire ou de Noël, donc des moments assez précis dans la temporalité d'une vie, ce qui est complètement différent aujourd'hui où un enfant qui n'est même pas né, son échographie est déjà postée sur les réseaux, les enfants sont pris à chaque moment de leur vie en photo, donc il y a une espèce d'hypermnésie, donc de mémoire un petit peu invasive de la conscience en fait de son propre visage. Donc je disais, le visage est une invention récente, le peuple n'a pratiquement pas accès à son visage parce que tout simplement, nous avons accès, nous, à notre propre visage que par l'intermédiaire d'un objet séparé de nous. Donc un miroir, une photographie, le reflet d'une vitrine qui nous renvoie donc cet objet. Vous considérez que lorsque l'on parle du mythe du Narcisse et qui se voit dans le reflet trouble d'une eau, en fait, ce visage, on ne peut pas le prendre, le mettre dans sa poche, l'échanger, comme ça se fait à partir du 19e siècle. C'est l'invention aussi des passeports, des cartes d'identité. Et d'emblée, en fait, le visage rentre dans une économie de flux donc de circulation de capitaux. Et à ce moment-là, finalement, le visage, ne nous appartient plus. On a notre visage et on a une extériorisation technique du visage. Et alors finalement, c'est toute la dimension technique qui m'a occupée dans ce livre, Faceworld, partant du postulat finalement que chaque époque a sa technique qui renvoie finalement un visage à l'homme, visage qui va être en retour introjeté et qui finalement va constituer l'identité. Donc en fait, on a une extériorisation industrielle à l'époque
à l'époque finalement du 19e siècle, industrielle par la photographie, mais finalement cette extériorisation commence dès l'apparition des masques chez les Grecs, masques qui n'avaient pas une valeur masquante, mais qui en fait étaient un moyen de compléter son identité à travers cet objet qui pouvait nous identifier. Et alors, à ce propos, il y a une anecdote qui est assez significative de l'imaginaire technique que l'on projette dans le reflet ou en tout cas dans le support matériel qui retient notre visage. C'est une histoire donc qui explique une anecdote plutôt que les hommes à l'époque grecque archaïque avaient interdiction de se regarder dans ce qui représentait les miroirs de l'époque, à savoir des petits métaux polis que l'on brossait avec des cailloux, parce qu'ils prenaient justement un double risque, celui de ne pas aller vérifier leur identité sur la place publique, l'agora, dans le regard en fait vivant de l'autre, et puis celui d'être chosifié par l'objet qui lui renverrait son reflet. À l'inverse de la femme qui, elle, avait obligation de se regarder dans ces espèces de métaux polis pour justement bien intégrer le fait qu'elle n'était rien d'autre qu'un objet. Alors cette anecdote est assez significative finalement de l'imaginaire et des fantasmes que l'on projette dans la technique. Une technique qui finalement est aliénante pour certains, mais également individuante, parce qu'on se rend bien compte que eh bien, ce retour sur soi va aussi constituer la personne en fait, et l'identité. L'identité femme, l'identité homme. Mais en fait, on se rend compte que à partir justement de l'invention de la photographie, à partir du moment où le visage devient une obligation, un besoin pour un petit peu quadriller ces foules qui arrivent donc en masse dans ces villes qui grandissent, eh bien on va de manière beaucoup plus systématique catégoriser grâce à la photographie qui va devenir un supplément pour des instances juridiques, qui va devenir un supplément pour la science, pour la médecine. Et puis voilà, petit à petit, on va identifier la femme avec tel type de trait, le bourgeois, et puis par opposition, le noir, le pauvre. Et petit à petit, voilà, on a une espèce de nomenclature de la société qui va passer graviter avec ces techniques.